Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans, aujourd'hui nous allons vous parler de l'importance du zikr la ilaha illallah. Le zikr la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah, traduit par Abu Wahab el-Basri. Fouini batumaka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abdelbar a posé à notre prophète, paix et salut sur lui, une question. Il a dit: ô messager d'Allah, est-ce que la ilaha illallah a des mérites? Le prophète, paix et salut sur lui, lui répondit: en vérité, la ilaha illallah est le meilleur des mérites. Quiconque la prononce sincèrement dans son cœur et a mis en pratique ses implications, certes, il fait partie des habitants du paradis par cette bonne parole. Sa place s'y trouve et même si Allah glorifié et exalté soit-il, le châtie. En coutume, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alléga sabado et question de ton Allah, kanyininga, koyel nafabi, la ilaha illallah folila. Akwatigima, kumurombe, la ilaha illallah fo. Na dusukunje ale, ane na tigiba ke waleake, o tigibe fara aljine kono dumbaroka. La citation du jour est la suivante: le bien qui t'arrive provient de Dieu, le mal qui t'arrive ne peut venir que de toi-même. Ni nyumami yisoro, obora ala yoro. Mes frères et sœurs musulmans, n'oubliez surtout pas de dire la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonne rupture à vous.